Que les paroles de Torah soient pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, David Ben Sima, Rivka Bat Menana, Eliaou Hananel Ben Ruth Mesodi. Et toi, Israël, tout celui qui a besoin d'une guérison, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison rapide. Amen. Shofetim veshoterim titen lecha bechol shararecha. Dans les livres de Chassidut, ils expliquent shararecha, c'est les portes. Chaque envie de l'homme, elle amène à une porte, à un endroit. Un homme qui a envie de manger, il fait des choses pour ouvrir l'appétit, ouvrir une porte. Quand quelqu'un n'a pas d'appétit, c'est que les portes de l'envie sont fermées. Et ce n'est pas que dans la nourriture, c'est dans chaque chose dans la vie, on a des portes. Une opportunité, ouvrir, fermer, vouloir, ne pas vouloir, c'est des portes. Vouloir s'investir dans la Kedusha, vouloir faire un commerce, vouloir aller en vacances, tout ça c'est des portes que l'on ouvre. Shoftim veshoterim, la Torah nous dit, titen lecha bechol shearecha. Tu mettras dans toutes les portes, dans toutes ces volontés que tu as, il faut avoir un chauffette, un juge pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce que cette volonté que j'ai est bonne, est-ce qu'elle me rapproche à Akadosh Baruch Hu, est-ce que ce que je veux obtenir de cette volonté, ça va me faire du bien pour ma neshama. Shoftim veshotrim titen lecha bechol shearecha, dans tout ce que tu fais. Combien de fois on a besoin d'avoir le émet devant nous, faire ou ne pas faire, s'abstenir, ne pas s'abstenir, se lancer, ne pas se lancer. Dans tout, on a besoin de juger. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne prend pas le temps de s'asseoir et de penser. Il fait les choses comme un rituel, comme s'il était dans un tourbillon où il avance sans s'arrêter. Et l'idée, c'est de s'arrêter avant de faire quoi que ce soit et de penser, est-ce que je fais bien ou je ne fais pas bien. Quand l'homme pense, forcément qu'il aura la bonne réponse, s'il est avec son émet. La Torah nous dit tout de suite, après Shoftim et Shoterim, c'est Titen Lecha, ça parle au singulier, même que de mettre un système de jugement, ce n'est pas sur l'individu, c'est sur l'État. Shoterim, mettre la police qui garde sur l'ordre, ce n'est pas le rôle d'un individu, c'est le rôle de l'État. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit que chacun de nous a besoin d'avoir son propre jugement sur ses actes. Il a besoin de nommer aussi le policier, celui qui le force à adopter les décisions. Combien de décisions l'homme a pris dans sa vie? Il a compris qu'il fallait faire quelque chose. Il a compris qu'il fallait évoluer. Il a compris que sa vie ne peut pas continuer comme tous les jours. Et il a essayé d'évoluer, après un moment, il a arrêté. Alors, ce monsieur a eu un chauffette, un juge, mais il n'a pas eu le shoter. Il n'a pas eu en soi cette envie de faire la décision. Alors la Torah nous dit « Shoftim, mais shotrim, titen lecha bechol shearecha. » Il faut aussi que le chauffette ne prend pas un pot de vin quand on va en jugement. Pourquoi deux personnes qui ont un litige entre eux, ils vont chez le juge? Parce qu'ils sont persuadés
que le juge donnera une décision qui est liée qu'à de la sagesse, pas à des sentiments, et qui trouvera la vérité. Quand un homme se pose une question dans sa neshama, il n'a pas le droit de prendre un pot de vin, un intérêt. Tout doit être pur. Tout doit être pur. Et c'est ce que la Torah nous dit. Lotisapanim, velotikarchocha, on n'a pas le droit de prendre du chocha, de se mentir à soi. C'est du chocha. Tzedek, tzedek tirdof. Nous dit Rabbi Simcha Bounim de Parchisra. Tzedek, tzedek tirdof. D'utiliser la justice, mais en justice. Il y a un homme qui utilise la justice pour faire du mal à son conjoint, pour lui chercher ses défauts. Mais ça même, c'est pas juste. De prendre la justice et d'utiliser pour faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est pas juste. Donc quand tu cherches la justice, ça doit être avec justice. Ça doit être l'idée de la justice qui te mène, qui te conduit. Tzedek, tzedek, tirdof. Les marins tirés et avoir ce émet en nous, cette pureté d'esprit, cette volonté de changer et cette volonté de mettre un juge à nos portes. Un juge. Bien, monsieur, il ouvre une société, une grande société, avec beaucoup d'employés. Il est obligé de mettre. Pour réussir de mettre un comptable avec lui, pour que le comptable lui dise, attention, il y a un problème de compte, tu ne peux pas embaucher celui-là. Fais attention, tu ne peux pas acheter maintenant cette machine. Tu as des problèmes, tu n'as pas de trésorerie, tu n'as pas d'argent qui rentre. On est obligé d'avoir quelqu'un qui est là pour contrôler chaque chose. Ça, c'est dans le business, dans ce monde. Mais dans le bilan, quand on fait le bilan de nos actions, de soi. On a besoin d'avoir quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? C'est toi. Toi, tu vas te juger. Toi qui seras ton policier, ton propre policier, qui va accomplir les décisions à 100% à la lettre. Tu as vu que tu n'as pas fait assez de mitzvot, que ta neshama est vide. Et tu veux t'engager dans la kdusha. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui te force à accomplir tes engagements. Qui va te forcer? Toi, qui t'aimes l'écha à toi-même, tu seras toi dans le rôle du juge et toi dans le rôle du policier, de la gendarmerie, qui oblige à accepter la décision du juge. Qui t'aimes l'écha, mais l'écha. Et comment faire? Si je n'arrive pas à trouver le juste chemin. Voilà, je m'assois pour me juger, pour trouver quoi faire. Prie à Kadosh Baruch Hu, qui m'enlève les voiles. Combien les voiles, c'est les mensonges que l'homme a ajoutés. Un homme qui aime quelque chose trouve pas de mal dans ce qu'il aime, même si c'est faux, même si c'est très mauvais. Mais comme il l'aime, il ne trouve pas de mal. Alors comment se juger? C'est de faire grandir le poids d'Akadosh Baruch Hu. Un enfant, il aime les bonbons. Il aime les bonbons. Il aime beaucoup les bonbons. Tu lui dis ne mange pas, il mange en cachette. Mais quand il sort du dentiste, si tu lui donnes un bonbon, il le refusera pendant une journée. Pourquoi? Parce qu'il a encore le souvenir des douleurs des dents et du traitement du dentiste. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui dans l'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'amour du bonbon, mais il a la douleur qui se souvient encore. Quand tu vois que tu es tenté par quelque chose, et tu ne pourras pas arriver à un juste équilibre pour pouvoir juger est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, tu vas agrandir l'image de Kadosh Baruch Hu qui a ordonné devant tes yeux. De la même manière que tu aimes beaucoup, tu es très attaché à cette action, tu es très attaché à cette tentation, ben, tu vas augmenter encore la dose de la crainte que tu as de Kadosh Baruch Hu, et c'est qu'en ce moment que tu pourras lutter
contre tes tentations et arriver au moins à un début d'un jugement. Ce que je fais, c'est bon ou c'est mauvais? Mettre du poids chez l'autre. Des fois, un homme, il est concentré dans son égoïsme. Quand il fait quelque chose qui gêne son conjoint, à tel point qu'il est prêt de perdre son conjoint pour cette mauvaise habitude qu'il a. Et tu vas lui dire, dis-moi, tu es prêt d'arriver à un divorce, de casser ton foyer pour cette tentation? Il te dit oui. Pourquoi? Pourquoi il peut te dire oui? C'est parce qu'il n'a pas la conscience de la grande chose qu'il a à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire à cet homme? Lui expliquer de nouveau l'importance de son foyer, à quel point c'est bien pour lui. Et là, en ce moment, lui dire, est-ce que ce que tu fais est plus important que ça? Et là, il retrouve un juste équilibre. Il trouve un moyen de juger et de prendre une décision. C'est ce qu'on a besoin de faire dans chaque chose. Et pour annuler les ta'avot, pour annuler les tentations, il faut mettre Akadosh Baruch Hu grand devant nos yeux. Quand tu mets Akadosh Baruch Hu grand devant tes yeux, tu peux rentrer. Comme il dit, le Sfat Emet, il dit, le Ari Akadosh nous a fait un chant quand on chante Shabbat. Azamer Bishvachim, le Me'al Gopitrin. Je chante pour ouvrir les portes. Tu chantes à Hachem, et quand tu chantes à Hachem, Hachem devient grand. Et quand Akadosh Baruch Hu devient grand, tu arrives à le mettre à côté de chaque porte, comme j'ai expliqué au début du shiur, de tes envies, des portes. Et quand Akadosh Baruch Hu est là, assis à la porte, il te fait comprendre. Il te fait comprendre des choses. Quand un homme n'arrive pas à rentrer quelque part, vous savez, il y a des endroits, il y a des restaurants, où on a besoin d'avoir un code d'habit. Il y a un protocole spécial qui a été écrit. Avec quel habit on peut rentrer? Tu peux rentrer avec un smoking, tu peux rentrer avec une belle veste, en cravate, en belle tenue. Tu ne peux pas rentrer en t-shirt, par exemple, dans certains endroits. Il y a un code d'habit. Et quand il y a un monsieur qui n'est pas habillé selon ce code, il veut rentrer, on lui dit non, tu ne peux pas rentrer. Quand on n'arrive pas à obtenir quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas habillé, qu'il nous manque quelque chose. Quand un homme a envie de quelque chose et il ne l'a pas obtenu, pourquoi il ne l'a pas obtenu? Parce qu'il lui manque certaines choses. Donc les portes, c'est la bina, c'est de savoir. Quand tu ouvres une porte, tu fais ta tefila et tu n'as pas senti une lumière, c'est parce que tu t'es mal habillé, mon frère. Tu n'as pas eu toutes les préparations de la tefila. Alors tu n'as pas pu accéder. Et c'est pour ça que tu te sens avec un grand vide. Quand tu sens pas quelque chose qui t'éclaire ta neshama, qui t'allume, c'est. T'es pas rentré. T'es pas rentré. Tu es dehors. Et Akadosh Baruch Hu te le fait comprendre. Quand tu te prends quelque chose, quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, quand tu te sens détaché, quand tu te sens éloigné, c'est qu'il y a une porte fermée. Et cette porte fermée, Akadosh Baruch Hu veut que tu l'ouvres. Et comment tu vas l'ouvrir? Avec tes pensées, t'asseoir avec toi-même, faire un bilan. Qu'est-ce qui me fait échouer? Pourquoi je n'arrive pas à arriver jusqu'au bout? Faire un bilan avec toi. Qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Normalement, j'ai les capacités, j'ai la volonté. Alors pourquoi, quand je me suis mis un objectif, je n'ai pas pu arriver? Je me suis mis un objectif de faire cette année ça et ça et ça. Pourquoi je n'ai pas pu faire? Ah, il y a eu cette tentation qui m'a empêché. Il y a eu cette paresse. Il y a eu cette tristesse profonde qui m'a atteint. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas arriver là? Renforcer l'objectif. Renforcer la porte que tu veux entrer. Alors, dans le résumé de ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait avoir un Yishuvadat, que chaque chose qu'on a envie, c'est une porte. C'est de s'asseoir et c'est de te décider avec toi.
Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Et ensuite, quand tu as décidé d'avoir le policier qui met tout de suite en règle, tout de suite, il adapte la décision que tu as prise sans l'abandonner, ne pas recevoir qu'une bonne décision et ne jamais le faire. Et quand on n'arrive pas, c'est de renforcer l'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est de lui faire des louanges, de chanter. Et avec ça, on enlève les voiles des tentations. On peut être tenté par le mal. Une mauvaise tentation d'un homme, c'est le shochat, c'est le pot de vin qu'il a pour ne pas changer. Alors l'idée, c'est d'agrandir Akadosh Baruch Hu plus et plus, qu'il soit plus grand encore que sa tentation. Et c'est là qu'on arrive à prendre des bonnes décisions dans la vie, de pouvoir changer. Amen, amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, beaucoup de succès, de joie et surtout de bonnes décisions pour notre vie et pour la vie de notre entourage.